comment faire des mini livres intimes où vous rencontrez ce que vous voulez, soit une histoire que vous avez vécue, soit des histoires imaginaires. Vous pouvez également inventer des BD à votre façon, car il n'y a pas de page. Comment le faire? Très simple. Il faut que vous le notez des feuilles, mais il en faut plusieurs. Alors, modération. Modération, c'est avec le vin. Ah oui, je suis con. Il faut pas gaspiller. On prend une certaine quantité de feuilles, parce qu'il faut pas oublier que ça pourrait. On prend une quantité de feuilles de ce type. On va ensemble. Prenez les feuilles et vous les pliez en deux. Vous les mettez tous en deux et vous les enlevez. Quand vous avez plié, ça donne un effet un peu courage, style le livre. Puis on recommence l'opération plus en fond de suite. Il faut pas te presser. Attention que l'ordi se mette pas en vrai. T'inquiète pas, je l'ai en a eu l'ordi. On place les feuilles l'une dessus l'autre. Voilà la façon d'un miroir. Si vous voyez que c'est pas droit, arrangez-vous pour que ça soit droit. Pas forcément, mais il faut que dans un livre, il y a des pages de deux côtés. Alors on va copier un peu le système. Délicatement au rebord de la feuille, de façon que ce soit légèrement droit. Pas totalement droit, mais pour que ça tienne en. On place plusieurs feuilles remplies les unes après les autres. Mais attention, ça demande du temps. Et pas de précipitation. On refait avec toutes les feuilles. Même opération. On plie comme ça. Pour avoir plié, on refait. Puis on a un effet de page un peu dans l'estime des livres ou des histoires. Ah ça, j'en ai encore laissé pour ça. Oui, je sais. Oui, il y a un rebord, il y a la pli ici. Ça va servir pour prendre un peu de ce pli pour le placer en plein milieu comme ça. Et unis, placer les unes sur les autres de cette façon. À ça, on pourra enfin refermer un prix avec de l'égraphe. Ah, ça, c'est l'ordi qui joue les siennes. Prêt à se mettre en veille. Ah, ben l'ordi, il faut connaître. Et c'est ça qui est chiant, qui est fatigant, pardon. Avec les bacs. Ou autre ordi. Ça se met tout en veille. Et après, oui, je tombe. Mais tu vas faire une vidéo pour en finir avec la première. Ensuite, tu vas placer. Ce que je suis en train de faire, c'est un mini livre type journal intime. On plie bien. Et tu fais. Ah oui, ça cause que mon ordi qui est assez malin pour me travailler en tournée. Ouais. On a un stopper. Ah oui, il fait tout conscient pour l'ordi. Ça, on l'aura vu. En gros, c'est dans la vidéo 2. C'est le premier. Oula, c'est pas très drôle. Un droit ou pas, ça a peu d'importance. Si c'est pas trop droit, c'est pas un problème. Si c'est très
très zigzagant, ou mieux pas. Parce qu'Ali, on ne peut pas faire un zigzag. En B, en our, et en place. Il y a un peu de temps. Il m'a tenu. Accident du faux péché. On prie bien au bout. Puis on ouvre. Et alors, dernier effet proche. Wow, méchant. Et en place, comme ceci. Délicatement. Attention, on s'est abonné. Ça arrive à tout le monde, j'ai l'impression. C'est vrai, à la fin de tout faire, il y a une astuce. Ouais, toutes les feuilles en même temps. Et ouais, je me dis, on peut les éliminer ensemble. Et voilà. Puis on rajoute le ce qui reste. On reste. Dernière étape. Et c'est du coup. Je t'ai pas causé. Ah, t'as quoi? La dernière plage. Page. Pardon. J'ai fourché. Alors bien fourché. Alors bien fourché, ça a deux. Non? Mais attention. On va plier légèrement pour voir l'égalité. En fonction du nombre de papier, il faudra appuyer plus ou moins fort avec la graphe. On prend la graphe. La fausse. Comment ça va faire? Vous pouvez faire bien les choses avec des papiers, parce que ça va les éviter ainsi dans les trucs de. Comment dire? Ah ouais, attends, pour imprimer en. Oh. Là, c'est toute une liberté. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le mini-livre, le livre intime. Ensuite, voici, on signe. On va signer que ça, c'est la page, la quatrième page de couverture. Là, devant, c'est la première page de couverture. Dans un livre, il y a toujours la première page de couverture. Mais un titre, c'est on veut que ça soit une histoire. Pas écrit. Par exemple, titre de l'histoire, ou livre dans l'intime, par exemple, le nom, enfin, moi, je vais vous montrer des exemples. Moi, j'ai marqué la signature, et il est fabriqué à la main. Vous avez vu, il faut prendre un certain temps pour le fabriquer. C'est pas donné à tout le monde, mais vous pouvez également le faire en prenant votre temps. Ce n'est pas forcément obligé de le faire tout le temps. Vous pouvez également, par exemple, pour éviter de vous gaspiller, utiliser la méthode de fabriquer des mini-tableaux. Par exemple, précédemment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Il y en a l'autre, faut aussi pas oublier de noter sa signature. Il ne faut pas qu'elle ait la main. Faut oublier de noter les pages, une à une. Oh, ça prend du temps. Si on ne prend pas, je vais vous prouver. Bon, vous savez, j'ai mis l'exemple. Ah, et voilà. Regardez. Celui-ci, regardez. Il y a écrit 55 pages. Je vais le mettre à l'envers, mais c'est pas l'endroit. Parlez-moi, j'espère. En gros, ce mini-livre a 55 pages. 55 pages, il faut voir qu'il y a la main, et signer.